artiste véritable. If you try to try me before you go try me, I swear I don't see you. If you got money, make you try help the people in need. You wash my hand, I wash your hand, now come by turn, my big flow, and it don't matter. Démonstration, mesdames et messieurs, sur le podium de ce géant concours de beauté. C'était le domaine de nos acrobates pour donner du piment à la chose. Nous avons du talent au Bénin et nous sommes en train de révéler le Bénin ici ce soir. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'il vous plaît? À ne pas reproduire à la maison. Et si on applaudissait pour les candidats, mesdames et messieurs? Passage en tenue de coq. Elles sont belles. Bénin révélé à travers ses différentes beautés pour cette édition. Merci d'apprécier ce schéma, cette étape de
ce concours de beauté. Merci à Quavo. Si vous avez aimé la prestation, merci d'applaudir très très fort pour ces belles créatures. Âgée de 21 ans, je fais 1m115 pour 61 kg. Je représente le département des collines. Mon projet s'intitule Colline Tourisme Promo. Colline Tourisme Promo est un jeu concours organisé à l'endroit des élèves du département. Ce concours consiste à soumettre aux participants un questionnaire auquel ils doivent répondre dans un délai déterminé. Une phase de présélection et une phase finale sera organisée. Étudiante en deuxième année de droit, sciences juridiques, je fais 1m70 pour 55 kg. Et j'ai 20 ans. Mon projet s'intitule Totienou et a pour vision de faire du Bénin un pays à destination écotouristique pleine de découvertes et d'aventures. Sur ce, la mise en place d'une structure serait la bienvenue. Cette structure sera chargée d'organiser des sorties touristiques dans l'intention de faire découvrir les sites dont nous disposons dans notre pays, en particulier de faire vivre la réalité historique et touristique de notre pays sur la route des esclaves. Cette même structure sera chargée de former des guides de tourisme et de renforcer leur niveau de compétence. Consiste à créer un espace de détente à Ouida, précisément à Djegbadji, où l'on fabrique le sel, afin que les touristes, une fois sur les lieux, puissent vivre le processus de fabrication du sel et en apporter chez eux après l'achat. Mes parents, bonsoir. Nous savons tous que nous vivons dans un grand pays. Le Bénin est un petit grand pays. Petit comment ? Géographiquement. Mais grand culturellement. Pays à foi,
gastronomique, on peut évaluer cette richesse à travers l'importance qu'on porte à certains de nos mets, dont la fête de l'igname, chaque 15 août à Savalou. C'est dans cette optique que j'aimerais accompagner nos touristes dans leur voyage vers l'inconnu dans le nord du Bénin, précisément dans la Takora. Mon but est de donner une expérience sensuelle touristique complète à nos touristes à travers le goût, c'est-à-dire la nourriture. D'où ma brillante idée d'ouvrir un restaurant nommé chez nous, dans la Takora, où on valorisera l'art culinaire. Nous aurons l'igname pilé accompagné de la sauce d'arachide, du chayo, le wasawasa. Surtout, la Takora est une région de pintade. Nous aurons la viande de pintade sous plusieurs formes. Je vous remercie. Merci. Nous attendons chez nous. Merci. Tu es la seule femme de ma vie. C'est le pour qui je me plie. Mon amour pour toi est tellement vaste que jamais tu ne pourras suffire. Je ne suis pas ça, je l'avoue. Je ne suis pas loin d'être grand. Mais mon amour pour toi est tellement vaste que jamais tu ne pourras suffire. Quand je te vois, je perds la tête. Tout mon esprit est rempli d'amour. Quand tu me souris, je deviens maître. Tout mon esprit est rempli d'amour. Laisse-moi chanter. Thank you.
l'expression de la beauté africaine. Ok, jusqu'à Adjamo. On va danser un peu. Chanson composée pour cet événement. Merci à Mauton pour cette très belle prestation, mesdames et messieurs. Nous allons, comme l'a annoncé Laurette tout à l'heure, passer à la deuxième délibération. Effectivement, évidemment. Deuxième délibération, et ça sera maintenant le tour des membres du jury. Oui. De bien vouloir nous rejoindre sur ce podium. Merci Laurette. Également aux Miss qui sont là ce soir. Oui. Elles sont quatre. Ah oui, il y a Miss Héritage Global. D'accord. Miss Dora qui est avec nous. Okay. Merci beaucoup, Miss. Merci. Il y a également Miss Glamour Cybelle. Ce sont celles qui ont été couronnées l'année dernière. Merci également Yasmine, Tourisme et Développement. D'accord. Et c'est même sur ce thème que les candidates vont faire le speech tout à l'heure. Bon, nous sommes à Golden Tulip, le diplomate. Dans le jardin, tout simplement, pour vous permettre de prendre l'air frais. Pour cette édition spéciale de Miss Tourisme Benin World 2021. Alors on va y aller.
plus rapidement. Laurette, on va y aller un peu plus rapidement. On laisse le micro rapidement au jury pour la délibération. Bonsoir, cher public. Merci pour la patience. Vous savez, nous avons un travail difficile. Oui, les questions d'apprécier comme vous les belles et charmantes demoiselles, d'apprécier leur travail au plan intellectuel, technique, à oratoire et tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Pour le faire, nous avons travaillé avec des fiches qui ont été établies. Je ne suis pas là pour donner les résultats. Je vais expliquer le principe qui a gouverné notre travail jusqu'à ce que nous avons les résultats. Et je laisserai la parole à l'un des membres du jury pour donner les résultats. Alors, le travail a consisté à ce que 5 personnes qui constituent les membres du jury travaillent avec des fiches. Pour chaque candidate, les éléments sur lesquels nous avons apporté nos observations et des notes sont tenue traditionnelle. À ce niveau, c'est subdivisé en 3 parties. Il s'agit de voir la danse de la candidate et de lui donner entre 0 et 5. Il s'agit de voir la gestion scénique qui nous permet de lui donner 0 ou 3. Et après, il s'agit de voir le sourire de la candidate qui nous permet de lui donner entre 0 et 2. Deuxième grande rubrique, la tenue de plage. Et il s'agit de voir l'aspect plastique, teint, taille de la candidate. Et là, nous sommes obligés de lui donner entre 0 et 6. Deuxième rubrique à ce niveau, c'est de parler de la démarche de la candidate. Et on lui donne 0 et 4. Enfin, nous avons noté les idées de projet. Il s'agit de noter entre 0 et 8. Et vous avez vu la dernière sortie ou le dernier passage. Il s'agit de noter l'élégance, la prestance et le sourire de la candidate avec une note de 0 à 5. Et donc, c'est comme ça chaque membre du jury a noté. Je vous laisse la parole de proclamer officiellement les résultats. Les 8 dernière candidate, vous avez la parole, madame. Alors, bonsoir. Je suppose que vous piaffez d'impatience, comme tout le monde, de connaître le résultat. Mais comme l'a dit monsieur, il fallait bien qu'on respecte certaines normes et qu'on vous fasse vraiment voir que ce soir, il y a eu de la transparence dans tout ce qui a été fait. Et c'était pas évident. Nous sommes des hommes. Du coup, il y a forcément des erreurs, il y a des difficultés. Mais bon, aucune œuvre étant parfaite, je pense quand même que vous allez excusez tout ce qui a été fait ce soir. Je vais quand même féliciter les demoiselles qui sont là, parce que c'est pas évident de se tenir devant une scène, devant beaucoup de personnes, de marcher, de parler. C'est pas évident, donc il faut quand même les encourager. On a pu dégager donc au final les 8 qui continueront l'aventure ce soir. On va donc démarrer par la candidate numéro 5. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? Candidate numéro 5 qui continue donc l'aventure. Il y aura également la candidate numéro 16. Vous permettrez que j'appelle la candidate numéro 2. Comme quoi, quand même, on arrive à vous satisfaire ce soir. Voilà, donc c'est déjà un point gagné. Donc, on continue, nous sommes avec la candidate numéro 13 à présent. Numéro 13. Madame, mademoiselle, essayez de vous glisser sur la ligne. Voilà. J'espère que le fan club du numéro 3 est là ce soir. On espère. Numéro 3. Dame Frida, on va faire, voilà. On va se déplacer. Voilà. On a besoin de la même ferveur pour recevoir la candidate numéro 15. 15. Yeah. Et numéro 17. 17. Et la dernière pour faire 8, ça sera la candidate numéro 10. 10, à présent. Mettez-vous là, mademoiselle. Tourisme et développement rural. Elles ont 3
minutes pour y aller. Baba Chele, Ya Chele, écoute, non, on quitte Pico. Que savez-vous du tourisme et du développement rural? Laissez-moi vous dire que le tourisme est l'ensemble des activités et des techniques mises en œuvre pour des voyages et des séjours d'agrément. C'est l'action de voyager, de visiter des sites touristiques pour son propre plaisir. Le tourisme a pour objectif de promouvoir une croissance économique durable, soutenue, partagée, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Saviez-vous que le tourisme est l'un des moteurs de la croissance économique mondiale et représente actuellement 1 emploi sur 11 à travers le monde? Et si alors, ne voyez-vous pas nos magnifiques sites touristiques tels que le monde souterrain des hommes à queue à Gonodouji, les chutes de Kota et ses grottes secrètes, et nos belles fêtes traditionnelles telles que le pèlerinage céleste du 24 au 25 décembre qui fait appel à tous les célestes venant des quatre coins du monde entier, et la fête de la Ganie dans le nord avec ses traditions au-delà de toute pensée et ses dromadaires. Tout cela n'est qu'une très infime partie de tout ce que notre Bénin a. Et oui, le tourisme s'est avéré être une bouée de sauvetage pour de nombreuses communautés rurales. Mais sa véritable force reste encore à être pleinement déployée. C'est en cela qu'en tant que Béninois et humains, nous nous devons d'aller visiter ces sites touristiques. Nous devons du respect à ces communautés rurales qui prennent grand soin de notre patrimoine touristique. Nous nous devons d'y aller, de les aider à se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir à travers la construction d'infrastructures rurales, d'infrastructures routières, hôtelières, de mise en place de centres de santé, de centres d'apprentissage. Et développement rural, on vous écoute, candidate. Honorable membre du jury, distinguées personnalités, illustres invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez une fois encore mes salutations. Par rapport au thème de cette édition, vous n'êtes pas sans savoir que voyager, visiter un endroit autre que celui auquel on est habitué, peut être défini comme le tourisme. Faire du tourisme au Bénin, c'est donc s'intéresser à son riche patrimoine culturel qui se retrouve essentiellement dans les milieux ruraux. Le tourisme peut être un instrument de développement durable. En ce sens qu'il favorise la construction des routes qui mènent vers les sites touristiques, la construction de centres de restauration, d'artisanat pour permettre aux artisans de vendre leurs œuvres aux touristes et bien évidemment l'aménagement de ces sites touristiques. Ainsi, plusieurs emplois sont créés grâce au tourisme. Et les premières bénéficiaires sont les populations qui sont dans ces milieux ruraux. Les revenus des activités touristiques permettront à ces populations d'améliorer leur mode de vie et bien sûr de préserver nos magnifiques sites touristiques. Le but n'est pas de les métamorphoser en sites modernes, mais de les garder et de les rendre accessibles pour qu'ils soient parmi les destinations touristiques les plus convoitées au monde. C'est alors avec grande conviction que je peux dire que le tourisme est gage d'un développement des milieux ruraux. And don't forget it, my culture is my wealth. Je vous remercie. Merci, voilà, n'a pas abusé son temps. Honorable membre du jury, chaleureux public, rebonsoir. Le tourisme est l'ensemble des activités menées par une personne en dehors de son milieu de vie habituel pour une durée de moins de 365 jours pour des fins de loisirs, d'affaires ou autres. S'il existe plusieurs types de tourisme, le tourisme rural, qui est celui qui s'effectue dans les zones situées en dehors des grandes villes urbaines, requiert une attention particulière. Notre pays, le Bénin, dispose au niveau de ces zones rurales d'énormes potentialités qui sont remplies de mystères et d'histoires pouvant faire objet de découvertes. Nous pouvons citer la chute de Kota, les mamelles de Savey, la forêt sacrée de Kwassé, les festivals culturels de notre pays, le Vodou et j'en passe. Ainsi, les répercussions du tourisme sont innombrables pour le développement de nos communautés rurales. D'abord, la présence d'un attrait touristique dans une zone rurale attire l'attention particulière des investisseurs aussi bien publics que privés. C'est le cas, par exemple,
du projet initié par le PAG, qui est la construction de la route des pêches, le projet Situm dans le Mono, financé par l'Union européenne. Ensuite, le tourisme permet aux populations rurales non seulement de se prendre en charge en créant des emplois, mais aussi en protégeant le patrimoine historique et culturel. Enfin, le tourisme permet aux populations rurales de prospérer les activités ruraux, c'est-à-dire de développer les activités telles que l'artisanat, l'agriculture, l'écotourisme et autres. Alors, chère population béninoise, cher public, en cette période de pandémie contre la COVID-19, qui a eu comme impact principal dans le secteur du tourisme la diminution importante des flux touristiques de l'extérieur vers l'intérieur de notre pays, il est important que nous nous consacrons sur le tourisme intérieur pour révéler et développer nos communautés rurales. Alors, je vous invite tous ici présents ce soir à prendre l'initiative de visiter nos merveilleux attraits touristiques. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup, développement. Le jury aura quelques petites minutes pour se consulter pour la délibération finale. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers parents, amis, invités, rebonsoir. Le touriste désire le faire de voyager, de parcourir pour son propre plaisir un lieu autre que celui où l'on vit habituellement. C'est aussi l'ensemble des activités liées au déplacement des touristes. Le développement rural consiste en un ensemble coordonné d'actions, d'aménagement et de réaménagement entreprises en milieu rural dans le but de sa restauration, dans le respect de ses caractères, en vue d'améliorer la condition de vie des habitants, au point de vue économique, social et culturel. Le tourisme conduit à des visites des 10 lieux chargés d'histoire à cause des potentielles richesses dont regorge le pays ou le lieu visité. Les visites faisant venir les gens de tous les horizons, la localité sort de l'obscurité et se vend au monde. En se rendant dans sa localité, les touristes vont découvrir les modes de vie, les différents produits, la culture des habitants de ces localités. De plus, un déplacement dans ces milieux a sans doute un impact sur le transport, l'hébergement, toutes choses qui contribuent au développement de l'économie locale. Le monde qui afflue vers ces localités devient le même qui fait la promotion de ces dites localités. C'est pourquoi nous devons promouvoir le tourisme intérieur, parce que, en faisant des visites dans ces localités, nous apportons un plus à l'économie de la localité. En cette période de pandémie du COVID-19, nous pouvons promouvoir le tourisme intérieur tout en respectant les mesures barrières. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors... 5! 5! Aux actuelles gagnantes, j'invite toutes les autres candidates de nous rejoindre sur ce podium. À nous rejoindre sur la scène. Les autres. En coulisses, venez. La valorisation et la promotion du patrimoine touristique culturel du Bénin. À travers la beauté et l'intelligence féminine du Bénin. Oui, Tommy, Tonton, Mina Blodo, Adopé, Fiton, Mina Zedaga. Nous voyons d'agbera belle et on attend de nous signaler. Les échappes couronne, Miss, on va inviter le parrain. Alors on va demander à Monsieur Sauvy Vivian de bien vouloir nous rejoindre ici. Je crois. Oui, il faut que les Miss mettent leurs échappes pour que ce soit une très belle photo. Pour qu'on reconnaisse le travail que vous avez effectué. Belle équipe en tout cas. Merci à vous les membres du jury. Vous avez fait un travail formidable. Vous avez fait l'unanimité du public. Ça arrive pas souvent. Adapte mon infiton, mina zedaga.
Nous ayons d'agbe d'agbe les rôles n'entendons n'y nous signalons mais n'y en nous d'un remettant n'y en nous acabattant et j'en ai un Elle rentre avec la Dutéronneau. Bah. En tout cas, c'est moi. La première. La première et après, elle a fait un tour aux côtés de quel bébé. Avec une aventure palpitante, c'est dame Carmen. 2017. Mais c'est de bien rejoindre nos miss dans les photos. Oui, vous pouvez. Vous pouvez, oui, vous les encadrer. Madame Carmen, cherchez une place au milieu. Madame Peace, de l'autre côté, parce que vous êtes très élancée. La grande photo de famille voilà. Avec le jury. La photo de famille avec les membres du jury. Monsieur Giscard, Jack, bon, je vous vois au milieu là, avec les miss. Non, votre taille vous donne la possibilité de rester qu'au milieu. Bonjour, vous allez bien? D'accord. Merci beaucoup. Alors, les miss, vous ne bougez surtout pas, vous restez là. Et les miss de l'édition passée, vous les rejoignez. Monsieur voilà, Sophie. Pour continuer les photos de famille, s'il vous plaît, on va y aller très rapidement. Pour préciser, parcelle en fait par le parrain qui vient de Sobi. Pas le parrain. Nous-mêmes, on va passer pour nos parcelles, toi et moi. On passe tout à l'heure, hein. Ne partez surtout pas.